Hey! Non. Prends une plaque à pizza. Voilà. Parfait. Oh, beau travail. Je suis impressionné, Phil. Ça paraît pas, là, mais c'est la partie tricky. C'est de le faire tenir. C'est vraiment un travail d'équipe. Mm. Ça, la recette qui est cool avec ça, là, c'est que quand tu le fais, t'as le goût d'en manger. Ça fait que c'est bon signe, tu sais. Pour transformer un petit plat de tous les jours en festin spontané, il suffit d'un peu d'inspiration et de fromage Oka. À chaque fois qu'il accompagne des œufs, du sirop, du porc ou du jambon, le Oka réinvente les traditions. Hey, ils sont beaux! Jamais de la vie, j'aimerais... T'as-tu mis 20 du Oka? Une grosse tranche. Il y a un bison. Hey, j'aime bien ça, le PDC matin. Mais... Plus je le mange, plus je l'aime. Quand on travaille dans le bois le matin, ben c'est réconfortant. Merci beaucoup. Il est excellent. Il y a juste le défaut qui ne vient pas de l'en faire là, tous les matins. Moi, dans ma tête, ça goûte il y a la même chose. Sucré qui est... À la base, le côté plus artisanal, peut-être, qu'on ressent. Tu sais, t'as le fromage d'Oka qui laisse sa trace en bouche, là. C'était pas dans la tranche de fromage jaune, là. Parce que, à la base, là, quand on a essayé de le refaire, il fallait que ça goûte à peu près la même chose, tu sais. C'est de s'inspirer d'un plat, OK, pour sa méthode, puis d'en faire quelque chose d'autre. Mes 46 ans, là, ça va être ça. Mais c'est merveilleux, là. Moi, je veux m'en rappeler.